Très bien. Bonjour YouTube. Bienvenue sur cette nouvelle partie de Little Nightmares 2. On se questionnait entre les deux parties hein, sur le scénario qui est quand même très mystérieux. On sait pas où ça nous mène. Hein. On cherche le lien entre le 1 et le 2. Parce que c'est surtout ça que j'aimerais savoir. Et puis le lien avec les télés et comment Six se retrouve dans le 1 sur le bateau, puisque on est tous d'accord pour dire que ça se passe avant le 1, puisqu'elle trouve son ciré jaune dans le 2. Beaucoup de questions, peu de réponses. Ah, regardez, une nouvelle scène de la télé. Encore. On y va. Le gars qu'on a vu dans les dessins. Regardez ce qui reste à la place. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la télé? Il l'a emmené dans la télé, en fait. Yeah. Ouais, on a revu un œil. C'était vraiment. J'en ai marre de dire que tout est stylé. Mais c'est vraiment bien fait. C'est vraiment classe. Je pense qu'il faut regrimper. Tu vois, je m'attendais presque à ce que l'écran commence à tanguer une fois qu'on est là. Genre, une fois aspiré, bah on se retrouve sur le bateau. Et ça a pas l'air d'être le cas.
Ouais, c'est ça, on va voyager d'une télé à une autre, tout à fait. Bonsoir, Miss Biscuit. On va la retrouver, notre Styx. On traverse à toutes les télés du monde pour elle. Ouais, ouais, on se méfie quand même. Hein. Vous vous rappelez de la fin du 1? Styx, attention. Oh, oh. Non, c'est bon. J'appuie sur le bouton pour allumer ma lampe torche. Il y a encore ces vêtements là. Ça me fait rire. Comme si quelqu'un avait été bousillé. Victoire! Un chapeau avec l'œil. Je sais pas si j'ai bien fait d'éteindre cette télé. Ok. En gros, à la place de ma lampe torche, j'ai maintenant la télécommande. Ça va me ramener au début. Ah, attends. Est-ce que je peux pas faire un truc? Ah mais j'ai éteint celle de tout à l'heure, du coup je peux pas. Je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que je pouvais traverser là? Non hein. Ah oui mais... Non je comprends pas. Je peux même pas remonter. Là, je peux me TP, mais comment remonter? Enfin, comment traverser? Peut-être qu'un saut suffit. On va voir, on va remonter, on verra bien ce que ça donne. Voilà, on va peut-être essayer de faire les choses simples. Il y a peut-être rien à comprendre, c'est peut-être juste un jeu glauque. Ah si, il y a beaucoup de choses à comprendre dans le 1, donc c'est pas possible que... ce soit juste un jeu à ambiance comme ça. Ah, je peux peut-être m'accrocher à la lampe. Non,
Non, non, il y a forcément des interprétations, hein, mais il nous faut tout le jeu pour comprendre. Tant qu'on n'a pas la fin. Bonjour Nehinto. C'est parti. La grande descente. Alors si j'éteins la télé, c'est une catastrophe. Je pense. Toujours vérifier le frigo. Le four. Essaye. C'est vrai, j'avoue que ça donne envie. Hein. Sa tronche est dégueulasse. D'accord, j'ai compris, la télécommande s'active uniquement s'il y a le point rouge. Alors. Ah! Ah! D'accord. Comment je vais faire? Est-ce que je peux m'approcher? C'est non! C'est non! En fait, je pense qu'il faut que j'éteigne la télé, mais sans qu'elle me voie. Je peux bien l'éteindre en l'étant planqué quelque part. Elle va pas savoir que c'est moi. Alors, petite pile. Ah voilà. C'est sa télé, ouais, c'est ça. Ou planqué dans le four, tout à fait. Non, non, moi je voulais me mettre derrière le siège. Quoique non, j'ai... Quoi qui a éteint ma télé. C'est vrai que dans la télé, on entend un peu la musique du 1. Je veux des réponses. Cette tronche. Ah, trop bien, il est allé voir l'autre télé. Et il est tombé. Peut-être qu'on peut aller voir son cadavre. Ah non, il est tombé loin, loin, loin. Moi, je pensais qu'il allait me chercher. Oh oh. C'est
c'est pour ça qu'il pleut des gens. Ah, tu crois, ouais. Ils ont vu la télé dans l'appartement d'en face. Non. Remarquez que l'écran s'est bien mis à tanguer, hein. Bah super. Non mais c'est pas vrai quoi. Faut viser le canapé. Bah ouais, bah quand tu vois pas ce qui se passe en bas, tu te dis j'ai confiance dans le jeu. Bam. Oh, le bruit m'a tellement fait rire. Confiance dans le jeu. Attendez, il faut peut-être déplacer la télé avant. Jamais faire confiance. Ce bruit sourd, tu sais. Boum. Ah, vous entendez ces deux bruits. Ok, 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 ok. Grillet. Calmez-vous, calmez-vous. Faudrait qu'il se calme, lui, oui. Mais c'est bizarre comment ils ont la tronche complètement... Oh merde. Pardon, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Y'a rien qui va. La tronche... Oh, you. Bon. Fondu. Pour moi, c'est un grand oui. C'est ça, ils ont la tronche absorbée. On dirait qu'elle s'absorbe elle-même. Merci beaucoup, Piscout. Merci beaucoup. Quatrième mois. Est-ce que je peux prendre ça?
C'est la télé que j'entends ou... Astro. Un petit œil. Bonne soirée, Eric Antonet. Faut que j'aille manger, mais j'arrive pas à décrocher. J'avoue, il est 19h30 là. Mais vous avez pas pris votre petit McDo, votre gratin là? Ah, mais en fait. Je peux faire ça? Est-ce que tu live demain pour claquer mon Prime? Bah, à la base, je pensais live. Je pensais faire le jeu en deux fois, donc live demain, mais je crois qu'on va le terminer. Aujourd'hui. Ouais. Belle machine, hein. Est-ce que je pouvais m'arrêter au milieu? Quelle rame d'âme! Il faut refaire un petit peu la même technique là de sauter sur l'ascenseur et peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. On va. Non! Oh, je me suis repoussé. Elle s'est mère grouillée. Tu sens que ça accroche. J'ai pas fait du tout ce que je pensais faire. Tu aurais possédé, mais c'est pas très grave. Ça dégage, tout ça, ça dégage. Je propose de remettre le sac en papier. C'est vraiment mon préf. Regardez toutes ces erreurs là. Marie Conto. Ça dégage, ça dégage. Captez-vous le lien avec le 1? Pour le moment, pas trop, non. On attend le plot twist, tu vois, le vraiment. Comment ça s'appelle? Pas le plot twist. Le climax? C'est ça qu'on veut, non? Ce floor is lava. Ah, c'est la radio qui est branchée.
c'est raté, c'est raté. Comment qu'on puisse éteindre la télé d'ici? Les effets désastreux de la 5G. Ça marche pas! Est-ce que je suis censé mettre le tabouret bien bien en face? Ou alors c'est parce que j'ai pas d'autre télé allumée? Je pensais qu'on allait justement découvrir une autre télé. Ça m'étonne qu'on ait rien à faire dans cette salle. Attends, peut-être qu'on peut allumer quelque part. Ah, elle est trop haute celle-ci. Ah, peut-être que le but c'est d'emmener le tabouret vers la porte après. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. À moins que je puisse prendre le tabouret direct. Des fois, on peut s'approcher assez proche. Hein. Non. Visiblement, on ne peut pas. Je sais pas si j'ai la bonne technique. Hein. Ouais, la faire électrocuter, mais je crois pas que je puisse revenir en arrière, moi. Si je pouvais éteindre la télé de là. Ah, je peux. Je peux. Ok. Bah quelle tristesse! Bah quelle tristesse! Bah quelle tristesse! Je sais pas si je peux atteindre. Ah! Non. On y a tous cru? Bah grave. Je sais pas. On va réessayer? Ah, et si je faisais ça, là? Peut-être que je peux gagner un peu de distance. Non, j'arrive pas à sauter dans la baignoire, j'arrive pas. Je me mets au plus loin. Tu vois, si je me mets là! Ah bah voilà, non, mais c'est ça. On a juste... pas de chance. On a raté des quelques pixels, quoi.
Oh là là. C'est sûrement l'heure de vendredi, tout est permis, hein. C'est pour ça. C'est sûrement pour ça. Il y a encore ce dessin là-haut. Ah! Ah, d'accord. Qui s'amuse avec du papier bulle? J'avoue. Ouais, tu vois, encore une fois, j'avais confiance dans le jeu. Je me suis dit, go. C'est clairement ça qu'il faut faire. Je suis en train de speedrun. Mais non. Ah, let's go maintenant. Ouais. Bah on est bien avancé, hein. Il va se placer tout seul au milieu. Attendez, on a la télé qui est là. Que je peux éteindre. Fallait peut-être monter dessus avant de le lancer. Comme ça, on aurait... Ah ! Peut-être qu'il faut monter dessus. Ah, j'étais un peu court. Hein. Un peu court. C'est malheureusement... Comme dit souvent. Triste vie. Je ne maîtrise pas le caddie, hein. Et il y a un foutu cube qui s'est mis en travers de ma route. Voilà, je peux bien grimper dessus. Ok, l'heure de vérité. On pousse un peu. Saute. D'accord. Ah, j'ai cru que j'allais sonner. Non, le caddie, il conduisait pas l'électricité. Il a des roues en caoutchouc. Tra, je voulais faire mon malin et vous dire, regardez, cette chaise, on va la déplacer, la mettre vers la fenêtre et trouver un secret. Eh bien, non. À moins que... Alors, on peut passer, je pense qu'on... Ah, faut mettre le caddie là-bas. Non. Quoique, parce que je peux pas revenir là. Attends, quel intérêt? On voit pas mon personnage, j'ai l'impression de jouer le caddie.
Attendez, je comprends pas là. Ah, on peut revenir ici. Ok, d'accord. Tu peux revenir. Donc, c'est bien ça. Il faut mettre le caddie au milieu. Et ça a l'air d'être le cas. Peut-être le mettre en longueur. Que c'est bon là? Je sais pas si je dois passer. Bah attendez, on peut tester en fait. En fait. Ha! Ha! Ok. Je vais remettre le courant. Je sais pas trop pourquoi, je vous avoue, je fais des trucs là. Mais je vais remettre le courant. Pas une fille. Qui ça? Lui? Non. Mais ça, on le savait. J'ai pas compris. Clac! Clac. Mais ça, on l'a déjà dit. Il est où ce bouton? C'est un des meilleurs quand même. Hein. Mais ça, on l'a déjà dit. Bonsoir, monsieur Termite. Bonsoir, ouais, on peut dire bonsoir à cette heure-ci. Je serais capable de me foirer, là. C'est bon, ça TP. Peut-être qu'il y avait un chapeau sur l'armoire. Ils sont de plus en plus là. Il va falloir passer par la télé qui est ici. Ok, c'est bon. Ils vont simplement voir l'autre. Oh oh. Problème. Ouais, c'était juste aussi là. Ah!
hache. Je crois que j'ai bien fait. Ok. C'est stressant, hein. J'espère qu'on va avoir une réponse assez claire quand même. J'espère. Oh merde, oh merde. Ah, le couloir. On dirait trop le couloir de la télé. J'ai démarré beaucoup trop tard. Le train. Oh, regardez, il y a encore les habits. Je run tout ce que je peux. Ah, j'aurais pas dû faire un petit balancier. Balancier, ça se dit. J'ai voulu avoir un peu de fun, tu vois, dans ce désarroi. J'aurais pas dû. Rude cet arrêt. Oh.
fait, faut que j'agisse, j'ai cru que j'étais dans une cinématique. Ok, il faut faire quelque chose. J'appuie sur les boutons. Cette scène, ah, oh, regardez où on est. Je trouve ça trop stylé. Faut aller vers la musique. Ok. Ça me fait encore penser à Beetlejuice.
là, j'ai pas trop le choix. C'est vraiment beau, hein. Je vous laisse un peu profiter, mais je sais même pas quoi ajouter. J'essaye de comprendre un peu. J'essaye de voir où le jeu va, mais... C'est rude, hein. En tout cas, dans son délire incompréhension, c'est magnifique, mais... Rah, moi qui veux toujours savoir les pourquoi et du comment... J'adore ces escaliers. On est en train de grimper la tour, peut-être. Ceux qui connaissent le jeu, là, parce qu'il y en a quelques-uns, apparemment. Est-ce qu'on est à la fin? Combien de temps il reste, d'après vous? Il y a de plus en plus de pièces, quoi. 10 minutes? Ah, carrément. Je pense du coup que ça ne vaut pas le coup que YouTube attende la prochaine fois. Ok, d'accord, on va faire une grosse partie finale dans ce cas. Ah oui, mais là, je peux pas passer. Attends, je sais pas si je peux pouvoir sauter. Oh ! C'est non ! Si je prends pas la bonne porte... J'ai pas... voilà, c'est trop tôt pour les théories, on s'expliquera plus tard. Ah, mais peut-être que je peux pousser ça. C'est où ? Regarde le chat, stupido. Ouais, on fera les théories, on va voir après si on comprend. Faudra penser aussi, moquez-vous, à la scène post-générique, possiblement, parce que dans le 1, il y avait quelque chose. Attendez. La musique est différente. Début du jeu, là, on l'a pas déjà dérangé en train de faire sa musique? Je regardais le tableau aussi en face, là.
Je peux pas faire grand chose. Tu veux une poupée? Oh. Salut. Oh. Ah oui, d'accord. Ah, les bras, j'avais pas vu le bras. Oh la vache! J'ai tellement envie de parler de tout ce qui se passe! Faudra vraiment que je re-regarde la fin. Il y a tellement des moments qui passent vite. Tu peux pas analyser. Où suis-je? Où suis-je? Mais genre... Mais genre... Absolument insane, la tronche des monstres. Nous l'avons échappé, Bale. Nous l'avons échappé, Bale. Oh mon Dieu. Allez, je vous mets un petit peu avec nous. Casser la boîte. On est d'accord. Je pensais qu'on pouvait la tirer, peut-être. Wow, wow, wow. Bien vénère. C'est peut-être la musique qui pose problème à tous ces gens. Est-ce que c'est pas... C'est cette mélodie qu'elle chantait, la maîtresse des lieux dans le 1. Non? Tu veux pas venir par là? La musique de l'écran titre. Je me souviens plus. Mais c'était à peu près la même musique, mais bon. Non.
Comment on fait pour avoir le temps d'aller là-bas? Attends, je vais lâcher ça. Putain, mais même quand elle fait ça, on n'a pas le temps. Faut qu'on pige comment atteindre la boîte, à moins qu'on atteigne une porte. Ah oui, la plaie, mais... Ah, j'oublie ce... Ok, j'oublie ce détail très important. Bruh. Où est-ce qu'on est encore? Madge, calmez-vous! Calmez-vous! Calmez-vous, Madge. Ah! Wow. C'est space, hein. Les murs et les décors deviennent très organiques. C'est vrai. C'est vrai. Très utile ce que je viens de faire. Comment? Attends. En fait, le problème, c'est que la hache est mal placée. Il faudrait la mettre plus à gauche. Toi, tu me ramènes où? Là?
Ah ! Excuse-moi ! Tu vas pas là où je te dis d'aller. On s'envole. Elle met des sacrées patates. Crah, j'arrive pas à faire ce que je veux. Je voudrais prendre la hache et me faire TP à gauche. J'ai le temps là, mais ça me ferait beaucoup, 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 beaucoup. Je vais essayer comme ça, mais... Cassons-nous ! On est sur la bonne voie, je pense. Yes. La bonne voie. Vraiment une très très bonne voie. Chaque fois je m'arrête en mode c'est la cinématique. Ah ça y est. Bordel. Ah, il y a des yeux partout. Ouais, ouais, ça fait un moment que on est juste. Eh, c'est rude! C'est dur, je trouve. Voilà, là par exemple, ça veut dire que j'ai déjà perdu parce que j'ai accroché sur le meuble.
fait, j'ai voulu la suivre. J'aurais pas dû. Ça va s'arrêter comme ça ? Pour moi, c'est un grand oui. Attendez, mais what ? Oh là là, c'est... Vous mentez, Dolores. Ah, vous nous les claquez tous, là ? Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel ? Ah, d'accord, je pensais que j'avais que une direction.
Ok. Eh bien, il y a une théorie qu'on a fait pendant le jeu qui se révèle un peu juste, hein. Ce côté, on a déjà vécu, enfin, on a l'impression d'une réminiscence du passé, d'avoir déjà fait ça. Mais en fait, c'est ça. Ça tourne en rond. Il y a une scène cachée, mais tu dois récupérer tous les gamins glitchés pour la débloquer, donc faudra regarder sur YouTube ou refaire les chapitres, d'accord. Je vous invite à regarder la scène cachée. À moins qu'elle soit sur YouTube déjà. Moi, je veux bien aller la regarder. Hein. Merci pour ces 100 bits Caliban Flamel. Ça explique un peu, hein. Cette femme me laisse... C'est déjà sur YouTube. On pourra peut-être... on va regarder. On va attendre la fin du générique. Normalement, elle est là. Ok. On va aller voir parce qu'on va pas s'abuser à tout refaire maintenant. Mais... C'est complexe, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de lien avec le bateau. C'est bizarre, hein. Ça demande plusieurs visionnages, je pense, et des théories venant de tout Internet pour refaire les pièces du puzzle. Ça va être compliqué, là, tout de suite, d'avoir la vraie réponse, je pense. En fait, ça se passe avant le bateau, oui. Ça, on est d'accord, mais peut-être... Enfin, moi, je pensais qu'on allait rejoindre l'histoire du bateau. Peut-être pas. En tout cas, c'était top. C'était top. Bon, alors la fin... Franchement, ça demande à rejouer, à revisionner. Pour qu'on comprenne bien, qu'on revoie les scènes. À partir du moment où on est dans la télé, là. Les escaliers, tout ça, c'est bizarre. Peut-être un DLC futur. Peut-être. Il y a finalement pas de lien, ou pas de lien direct. Ou peut-être pas, on a peut-être pas bien compris encore. J'ai l'impression qu'on est le hanging, je sais pas le dire, man du bateau. Tu crois? Non. Je trouve pas que... Je sais pas. Ok, la fin secrète aide vraiment à comprendre. Bon, on va voir, on va aller regarder sur YouTube pour que ce soit complet, qu'on puisse en parler. Mais c'était top. Peut-être... À un moment de longueur, je dirais, peut-être après l'hôpital. Je trouve que les chapitres après ça étaient peut-être un peu moins marqués. C'était un peu pas brouillon, mais... Il y a peut-être eu ce moment-là où je ne savais pas trop où on allait, quoi. J'ai pas l'impression que Six soit méchante. À choisir, tu préfères vivre ou tuer quelqu'un de moi? Je sais pas. Les yeux, il y avait vraiment cet effet à travers l'écran des gens qui regardent quand on était à la fin du jeu. Mais elle l'a quand même bien lâché. Ouais, non, mais peut-être qu'elle sait des choses. J'avais préféré l'aspect intimiste du premier. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas si j'ai une préférence. Vous savez, moi et les préférences, mais... Je sais pas. C'est trop tôt pour vous dire ce que j'en pense vraiment. Mais en tout cas, l'expérience, là, je l'ai bien aimée. Il y a des trucs magnifiques. Graphiquement, des plans, les musiques, l'ambiance, les monstres. Je maintiens que la pire, c'est Madame la prof. Quand elle monte comme ça et qu'elle te regarde, puis à travers le conduit. Je trouve peut-être que celui dans la morgue n'a pas été beaucoup exploité. On est vite passé à autre chose. Il aurait pu être plus menaçant plus longtemps. Les mannequins étaient très bien. Si, la phase mannequin avec la lumière, ça c'était fou. Et du coup, le mec au chapeau qui se révèle être nous...
Et Six à la fin, le combat était stylé aussi. Non, il y a juste au milieu du jeu que je trouve qu'il manque peut-être un truc, je sais pas. Dans le 1, il y a un côté... c'est vraiment le côté dans le bateau. Effectivement, t'as l'air plus minuscule. Peut-être que tu perds un petit peu ça au bout d'un moment ici. Je sais pas. Je ne peux pas passer les crédits, hein, je le dis. Faut-il voir le 1 pour comprendre un peu le 2 maintenant que tu l'as fini? Bah... ça complète, mais ça n'explique rien, je veux dire. Je suis pas sûr. Hein. Cette sensation de minuscule, on l'a que au début. Ouais, je trouve aussi. Après, on la perd un peu. Ou peut-être parce qu'on s'habitue aussi. Le 2 était prévu quand le 1 est sorti, je pense pas, non. Je vois pas pourquoi le chapitre de l'école est là. Tu traverses simplement, hein, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse. Enfin. Pas plus que le chapitre hôpital ou quoi. Je sais pas, c'est trop tôt. Encore une fois, peut-être qu'on peut comprendre plein de trucs, hein, mais... il y a des méchants de notre taille. Ouais, c'est vrai aussi, peut-être que c'est ça. C'était bien, c'était bien. Non, vraiment, globalement, c'était très bien. C'était très bien. Le jeu est très bien fichu, hein, clairement, c'est... c'est top, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que je chipote sur des détails, voilà, et que je suis encore à chaud là, donc je me dis, ah, j'ai envie de comparer avec le premier, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on comprend ou quoi. Merci beaucoup, Momoko. Bon, je choisis pas, moi, j'aime pas les préférences. Il y a un truc que le 1 avait aussi, c'est le côté DLC. C'est, il y a toujours un point positif dans les DLC quand ils sont bien faits, c'est que tu y reviens. Tu fais pas tout d'une traite, tu y reviens et ça complète. Et c'est une fois que t'as le tableau... oh là. Oh la musique. Une fois que t'as le tableau général, tu te dis que c'est stylé parce que... ah oui, les pièces du puzzle s'assemblent. Peut-être que du coup, on aura des DLC où on va se dire... ah oui, ce sera plus cohérent ou quoi. La musique est horriblement belle. Hein. Je crois que j'ai accéléré les crédits. En appuyant sur le... bon, les DLC, quand c'est bien fait, c'est cool. Ceux de Little Nightmares 1 sont très bien, je trouve. Ouais, on a terminé le jeu, d'où les crédits. C'est long, mais je ne peux point les passer. Peut-être... bah, le problème, c'est que si en attendant, je cherche la vidéo, ça va mettre 3 FPS. Donc, on va pas gagner de temps. Bah, si vous êtes sur YouTube, vous pourrez passer. Voilà. Quand les DLC sont bien faits, ils sont bien faits. Oui. Il y a des théories sympas à propos du nazisme. Franchement, j'ai pas... à part les tas de chaussures, j'ai du mal à voir. Le point Godwin est atteint. La musique du crédit retrace la musique durant le jeu. Je fais pas attention, je t'avoue. Ah ça, je compte sur YouTube pour les théories à l'écrit quand les gens sont un peu plus posés. Et puis vous, qui êtes sur le stream, pourrez... sûrement proposer quelque chose de manière plus posée. Propagande via les télévisions, ouais, je sais pas. Après, faut pas forcément... souvent, les gens voient des références et des trucs un peu trop... on peut avoir aussi un truc original, tout simplement. Vu la fin du 1, je pencherai plus pour la théorie de Six méchante. Mais en fait, j'ai l'impression de pas avoir les réponses, quoi. On va voir cette fin secrète, peut-être qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas terminé.
où est-ce qu'on va, tu vois? Si je fais ça, là, si je fais échappe avec le clavier, je ne peux pas passer. Je veux passer. Ah, on arrive à la fin, je pense, là. On voit les copyrights, les choses comme ça. Ça sent bon, la fin du crédit. On y est. On dirait un jeu cash. Ça y est. Bon, tout ça pour, en plus, arriver à l'écran de titre. Hein. Pour le coup. Alors, ce qu'on va faire. On va... Je vais quitter le jeu, de toute façon. J'ai juste regardé la sélection des chapitres. Attendez, je vous montre. Regardez ce qu'on a raté. On a raté des dépouilles corrompues dans le chapitre 1. Une dépouille dans le chapitre 2. Plein de choses dans le chapitre 3. Voilà, c'est plutôt ce chapitre-là que j'ai moins apprécié. Le 4 et le 5 est très bon. Le 4, un petit peu plus de mal, mais bon... C'est du moins bien dans le bien, en fait. Un écran en titre, mais la télé est allumée. Ah, elle l'était pas avant ? Attention. Le détail. Toujours le détail. On quitte. On quitte, on quitte, on quitte. On fait ça. On va aller voir cette fin secrète. Accrochez-vous parce que vous pouvez y paraître. C'est ouf. Et après, on rendra l'antenne. Parce qu'il est presque 21h, là. YouTube. Oh, cette musique. Alors, comment qu'est-ce que je cherche? Secret Ending. Little Nightmares 2. Ah, il y a plein de vidéos différentes, alors je sais pas laquelle mettre. Attendez. Il y en a une de 1 minute 21, là, c'est la première que je trouve. Il y a des trucs marqués ending plus secret ending, ending versus secret ending. J'essaie de vous trouver le bon truc. Changement de jambe, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on a fait. Ok, bon, c'est que le truc de 1 minute 21 apparemment. Ça doit être ça. Bon, bah on va essayer. Thank you for watching this video by Wolf Bandits. Chut, calme-toi. Ok, donc il y a une vidéo de... Enfin, il y a la fin là, quoi. Je vais mettre ça. Alors, faut qu'on fasse une capture propre. C'est pas dit que j'y arrive. et si je fais ça? Non, on va faire avec vous. Et que je fais ajouter capture d'écran. Ok. Ok. Pourquoi pas ok? Ok. Très bien. Pause. Donc là, c'est la fin qu'on a vue. Vous voyez tout ça, là, avec ce fameux moment incroyable. Ça, 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 ça. Le fameux moment où on se rend compte que... Voilà, je dis pas les mots. Et... Là, 6:33, tu disais. Donc ça, c'est en ayant tous les petits trucs glitchés.
Ok, Six est sorti. Du coup. Vous mentez, Dolores. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, là? L'ombre fait très petit gnomes. Sa fin est de retour. Ouais, la fin. D'accord, mais... Le wiki explique la fin dans la description des personnages, ça aide pas mal. Tu peux dire, hein, tu peux dire, vu qu'on est à la fin, qu'on essaye de comprendre, il y a point de souci. Oh les... les nazis. Fais rire. Ah, le bateau est sur le papier, oui, d'accord. Ouais, effectivement, là, on voit le bateau. Mono est le principal protagoniste. Il était à l'origine un garçon gentil et serviable qui accompagnait Six lors d'un voyage vers la Tour Noire. Cependant, il est finalement trahi par la fille et devient le principal antagoniste du jeu. Ouais. Sur ça, on est au point. On est au point. Elle se serait rendue sur le bateau pour se nourrir. Je suis désolé s'il y a des gens qui donnent... Principal antagoniste du 1. Non. Six aurait laissé tomber Mono pour ne pas être celle qui le tue de ses propres mains, puisqu'elle sentait sa fin revenir. Ah, tu crois ? Non, on le voit pas dans le 1, l'autre. C'est pour ça que je comprenais pas. Peut-être qu'elle allait le bouffer. Parce qu'elle sentait la faim et qu'en fait, finalement, en faisant ça, elle le sauve un peu. Je me souviens pas. J'ai des gens qui ont l'air d'être convaincus qu'on le voit dans le 1, mais moi, je crois pas. Mono est le seul individu que Six estime, disons. Peut-être que c'est ça, alors. D'accord. On le voit à la fin des DLC. Ah, oh, je me souviens pas. Mais écoutez, je vais vous laisser refaire ces morceaux de puzzle, parce que là, YouTube n'en peut plus. YouTube est à bout, donc on va couper. Donc c'était pour YouTube, en tout cas, on va couper. C'était génial. C'était vraiment, vraiment très, très bien. J'ai hâte de voir... Les théories, je pense que vous pourrez, à mon avis, que vous pourrez avoir des théories dans les commentaires. Ça, si on met ça. À la fin. À la fin des DLC, à la fin des DLC... Je sais pas si c'est ça. Il n'y avait pas. Ouais, il y a la télé à la fin des DLC, je crois. J'ai l'impression que je suis pas sur la DLC. Là. Mais je regarde autre chose, c'est bizarre. Je me souviens plus.
Ça, d'accord. Ouais, ouais. Mais là, il n'y a pas de télé. Ah ! Ça y est, c'était ça. D'accord. Oula. D'accord, on le voit, mais alors... Bon, c'est tout, hein. C'est juste un teasing, ouais, ouais, ça dit absolument rien. Bon, bref, YouTube, ce sera à toi de donner le fin mot de l'histoire. Je te fais des bisous, YouTube. Merci d'avoir suivi ce let's play incroyable. Cette dernière partie était extrêmement longue. Des bisous à toi. Bye bye.